Pour les supporters du Sporting Club Toulon qui ont fait le déplacement pour les deux formations, car voilà, elle va pouvoir décider. Et c'est parti, Joanne Branger qui donne le coup d'envoi pour Tonon. Depuis quelques mois, le gardien, unique gardien, voilà, qui joue tous les matchs. Bissou Outouré, allez, l'homme en forme de cette formation chablaisienne qui est dans la surface. Le centre pour Cyril Martin-Pichon. Un gaucher très technique, Nassim El Ghoul, qui peut poser des problèmes évidemment à cette formation chablaisienne. Allez, le centre de Nassim El Ghoul au deuxième poteau, qui marque autant de buts qu'il prend de buts. 16 buts marqués contre 16 encaissés. Une équipe qui prend des buts, une équipe qui sent marquer aussi. Nassim El Ghoul qui est passé, la frappe du numéro 9 et l'arrêt, la bonne intervention de Melvin Adrien. Pour Toulon, El Hamzaoui avec Abdoulaye Diallo en protection de balle. Il est passé, le numéro 29, le centre, et Nassim El Ghoul. Et le sauvetage exceptionnel de Anthony Scaramodino. Avec Bissou Routouré, on le trouve dans le bon espace. Bissou Routouré face à Jérémy Santini, face à deux joueurs. Il est passé, le numéro 19, Bissou Routouré. Le centre de Bissou Routouré vers Wassim Amadi. Et quel sauvetage d'Andréani. Le centre de Corentin Tirard, ce ballon monte très haut vers la tête de Bissou Routouré. Pas de main, ça revient sur Cyril Martin-Pichon, la frappe de Cyril Martin-Pichon et quel arrêt encore d'André Anier. Et le centre d'Oumar Diop tendu vers Abdoulaye Diallo, il a été trouvé. Et bon ballon à jouer. Allez, Joanne Branger qui décale, Wayle Safiani, le centre du numéro 27, la tête de Wassim Amadi. Et l'ouverture du score de Tonon. Wassim Amadi, buteur de la tête, et qui ouvre le score pour Tonon. 1-0. Le but du numéro 2. On est déjà à 3 minutes en additionnel. Le panneau du stade ne l'avait pas affiché, donc c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur le score de 1-0 pour Tonon. Et c'est parti pour cette deuxième période. Avec Tours aussi, là où il a rencontré Brian Bergugno. Et le centre. Face à Joanne Branger, beaucoup de ballons qui se déroulent côté gauche, du côté de Toulon, de l'attaque toulonnaise. Le bon relais avec Najib Gandhi. Et on joue rapidement et on trouve tout de suite Najib Gandhi, la frappe. Le centre frappe de Najib Gandhi. Et encore une fois, Sissane tape depuis le début du match. Et il a encore du jus. Olivier Sueur pour aller dédoubler sur le côté. Bissou Routouré en contre 1 face à la bord. Bissou Routouré qui est passé face à la bord. La frappe de Bissou Routouré. Et l'arrêt du bout des doigts d'Andréani. El Hamzaoui sur le côté gauche encore. Le centre d'El Hamzaoui. Ils sont dangereux. Vers la tête d'Abdoulaye Diallo. Nassim El Ghoul. Avec Abdoulaye Diallo, hors jeu. Et il était signalé hors jeu par l'arbitre. Et ça fait un but, ça fait but pour Toulon. Et donc but validé, un partout. Corentin Tirard en déviation, allez Bissou Routouré qui est passé, Bissou Routouré. Ils se retrouvent en contre face à Andréani. Bissou Routouré, la frappe. Et c'est encore... Et qui a pu se retourner et qui va être au duel avec Olivier Le Sueur. Il est passé le numéro 9 qui va décaler. Amadou Diallo vers Farah Gomis, la frappe de Farah Gomis. Qui perd ce ballon, la récupération de Farah Gomis. Nassim El Ghoul au duel, qui décale Abdoulaye Diallo pour le doubler. Abdoulaye Diallo, quel arrêt de Melvin Adrien. Et ça revient encore avec Diop, la frappe de Diop qui passe au-dessus. Et Mathis Clericia au duel avec Labor, ramener un peu plus de présence sur les deuxièmes ballons. Nassim El Ghoul, il est passé, Nassim El Ghoul la frappe et l'arrêt
Encore de Melvin Adrien. Pas demain, mais derrière la contre-attaque pour Toulon. Avec Issa Kabamba. On va décaler Nassim El Ghoul. Qui a encore de la puissance. Nassim El Ghoul. Il est passé le numéro 9. Le centre de Nassim El Ghoul vers Abdoulaye Diallo. C'était sûrement l'occasion de la victoire pour Toulon. On va jouer vite. C'est ce que demande Brian Bergugno. Et c'est la fin de cette rencontre entre le Toulon et Vivre Genève et le Sporting Club de Toulon. Match nul, un but partout.